Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Nabdou, bonsoir ou même qui branché édition Hébreux 13:8, son plaisir pour nous ensemble. Toujours à la même heure, 7h30, pour nous publier un nom qui se protection nous. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous saluons tout super branché. Nous saluons Radio La Foi Apostolique, comme à l'ordinaire. Dans Brooklyn, saluons le bien-aimé frère Patrice Saint-Just et sa famille. Et tous les amis qui habitués branchés, nous saluons. Son plaisir pour nous avec vous. Nous gagnons à nous la sœur Bernadette Mathurin qui est déjà en ligne. Et la sœur Nadia. Donc, pour nous commencer, nous toujours gagnons notre bien-aimée sœur Nadia. Sœur Bernadette, on laisse le faire ça pour la gloire de Dieu pendant la saluer nous. Que le Seigneur te bénisse, sœur Bernadette Mathurin. Bon salut à toutes les auditeurs et auditrices, bien-aimés frères et sœurs, que destinés à travers le monde, qui toujours branchés et qui sont évoqués dans le plus grand nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ce nom est grand, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi, c'est Bernadette Mathurin de Boston et de Regine, Pennsylvania. Connectez-moi toujours avec vous en esprit. Moi, ça n'est pas très David Sirail, un choisi de Dieu, infatigable de le travail de Dieu, engagé pour publier le vrai évangile de Jésus-Christ pour le monde et l'esprit. Et moi, ça n'est tout collaborateur dans notre Jésus. Nous rendons grâce à Dieu qui permet de nous toujours brancher dans tout ça. Tout sa vie éternelle. Côté que nous n'avons jamais soif à jamais. Et nous allons chanter encore pour la plus grande gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Le cri de mon âme se lève vers toi et le te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour t'est facile, ton fardeau.
Dieu. Merci, Seigneur. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Maintenant, on a fait appel avec Sœur Nadia. Amen, gloire à Dieu. Je sais que Sœur Nadia pas présent pour le moment. Il a continué. Et après, Sylvia, elle va faire partie que j'ai bien pour lui faire. Amen. Et nous voulons faire lecture, non? Dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 1er, à la fin. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance entre, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ceux qui aiment donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez nous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à la table dans un temple d'idole, ta connaissance à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et si le fait périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte encore les frères, et en blessant les consciences faibles, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi un aliment scandalise vos frères. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons connaître si la sœur Yedi Benazia est là. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Encore, nous sommes. Alléluia, alléluia.
Allô, Pasteur David? Oui. Oh, je pense que l'Ignatie a été en coupure. Excusez-moi. Encore une fois, nous saluons tous bien-aimés, frères et sœurs, à travers le monde, qui toujours branchés et qui pourraient écouter l'émission, ça, spécialement le mercredi, le service d'émission, côté que bien-aimés collaborateurs, qui vont chanter, qui vont aller faire lecture, et nous, pour tout le monde, nous espérons que tout le monde qui va attendre soit capable de venir. Et nous saluons tous les radios, nous avons radio, la foi apostolique, Brooklyn, New York, qui est en direct, qui est en service à chaque mercredi. Nos salutations au frère Patrice, et pour tous les auditeurs auditrices, parce que les spectateurs partout qui vont être bénis à travers et qui vont écouter après l'émission ça, dans le discours de grâce, côté que puisque nous connaissons ou branchés, et ça va permettre de nous faire bénir. Pour ce travail, nous allons faire les parents vains. Et dans le moment ça, c'est l'heure où on a le temps de tous collaborateurs bien-aimés de nous, soit qui toujours chanter en cantique, en lecture. Et pourquoi pas, quelques mots d'encouragement. Oui, vous très vite. Et moment ça, c'est le pour que tout. Nous va commencer de suite en suite pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Ésaïe 44. À la gloire de Dieu. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob. Mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir
et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lège pas des longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon. Il la façonne à coups de marteau. Il la forge de bras vigoureux. Mais a-t-il fait? Le voilà sans force. Ne boit-il pas de l'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine. Pour qu'elle habite dans une maison, il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres, la forêt, la plante des pins et à l'appui les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Avec le reste, il fait un dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'évoque et s'écrie « Sauve-moi !» Car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni l'intelligence, ni intelligence, ni entendement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas à lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié de feu. Je cuis du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Avec le reste, je ferai un morceau de bois. Et il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égard. Il ne sauvera point son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas de mensonge que j'ai dans ma main? Souviens-toi des choses, ô Jacob,
ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Parole du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va chanter en cantique pour la gloire de Dieu et après nous allons passer la sœur Nadia. Tu vas prier pour nous. Amen. Amen. Ayant de l'histoire. Christ est plus que tu dois. Il est en la sœur. L'ami est ma vie. Laisse-le la crèche-le. Mon Dieu, pas de comprendre. Sous la tenue, passe à fil.
Amen. Amen. Je merci pour privilège. Pendant chaque mercredi et chaque jeudi, nous capables monter sur réseau ça pour nous entendre l'évangile de grâce ça, à prêcher dans fin des temps ça avec ministère pasteur David. Nous dit bon Dieu merci, il est toujours bon nos privilèges malgré nous notre travail, mais il est toujours bon nos privilèges pour nous capables monter sur réseau ça pour nous capables entendre l'évangile de grâce ça. Son privilège lié pour nous. Nous voulons chanter pour nous capables bénir nos bons dieux, nos chants, pour tout le monde qui attendait. Doux Jésus, Allah ou merveilleux, ou plus clairé que les étoiles du matin, ou plus belle que belle fleur. Qui plantait pour route là, ou plus précieux que l'or. D'où Jésus, Allah ou merveilleux, ou plus précieux que les étoiles du matin, ou plus belle que belle fleur. Qui plante bon out là, ou plus précieux que l'or. Chantez avec nous, Sœur Nadia. Doux Jésus, Allah ou merveilleux, ou plus clairé que l'étoile du matin. Oh, plus belle, 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 qui plante et porte là, oh, plus précieux, que l'or. Oh, la croix, c'est Nadia, doux Jésus, doux Jésus. Allah ou merveilleux, ou plus clairé que les étoiles du matin, ou plus belle que le ciel, ni blanc ni noir au-delà, ou plus précieux. Plus précieux que l'or, ou plus précieux que l'or. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Nous bénis. Même si papa de nos chéris, nous toujours là, depuis deux ans, bien trois ans, nous toujours là. Mais comme on connaît notre travail, nous sommes mieux. Mais là, pour nous chanter, nous cacher quoi nos petits côtés, nous faire pour la gloire de Dieu. Mais nous toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, bon Dieu. Maintenant, en esprit, nous voulons de la bienvenue, la bienvenue de Monsieur Nadia, qui va l'adorer Dieu. À savoir le Seigneur Jésus-Christ, par la prière. Et même la côté nous est, même la pleuve pour appeler, et nous-mêmes n'a pas de rebondir dans que nous ensemble avec lui pour la gloire de Dieu. La Sœur Nadia, bon Dieu béni. Dieu béni aussi, Sœur, grâce à Dieu couvrir. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu vivant. Mon âme bénie l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis ton Saint-Nom. Mon âme bénie l'Éternel, alléluia. Gloire à Dieu, merci pour grâce, pour faveur, pour délivrance, pour bénédiction. Merci Seigneur pour restauration, merci pour chacun peuple, Seigneur Dieu. Chacun de nous qui monte sous l'ignace, à ta bonne gloire, l'honneur, l'ouvrage, même si elle mérite. Nous apprécions, nous louons. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, après l'autre, et puis toujours, une telle belle parole, ça y est.
afin que Seigneur nous soit capable de continuer à bénir. Seigneur, nous demandons au cher papa, visiter chaque famille, visiter chaque petit ouyo. Jeune Seigneur, nous levons le travail ça devant. Nous demandons au Seigneur Dieu, va bénir le travail là. Va bénir le ministère, pasteur David. Va bénir chaque servant tout, quand on travaille sous l'igna, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amando va toujours accompagner, va toujours bénir davantage. Et sourire, garder, en tout entreprendre, Seigneur. Bénédiction va couvrir, à toi ailleurs. Seigneur, nous demandons, Jésus, va, pas au cap coûter. Amando va toucher, va bénir, va garder, va prendre soin, ouvre intelligence, ouvre sagesse, nous, Seigneur Dieu. Ouvre les oreilles, ben nos oreilles percées, ben nos cœurs de chair. Afin que nous soyons capables de comprendre volonté, on en fait comme ça. Et nous soyons capables de pratiquer parole au jour après jour, afin que nous soyons capables de grandir, nous soyons capables de pitié tout. Seigneur, nous bénissons pour toute bagaille. Nous bénissons pour ce qu'on fait, pour ce qu'on continue à faire dans la vie. Nous prions, nous prions pas ça, nous, Seigneur Jésus. Ah, nous prions, non, non, Jésus, pitié tout. Au qui règne, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, béni soit l'éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, nous. Nous allons connaître nos derniers bien-aimés, nos derniers bien-aimés qui veulent chanter. Comme d'habitude. Amen. Dans le tunnel avec son tendresse. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le nom de l'Éternel soit célébré. Le nom d'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il a baissé les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire la peau. Du fumier, il relève les dieux. Pour les faire à seul avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Moi, je chante au chant pour la gloire de Dieu. Oh, la Dieu, le Seigneur, vraiment. Pleine paix, Jésus, en ta puissance. Pleine paix, se tenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine
Vilna. Yeah, maman concrète. Ok. 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 Merci parce que vous comme ça. Ok, merci. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'osais faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre pour lui seul, vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivre en mes frères. En m'appuyant sur ton bras, ton amour et ta promesse remplissant mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je suis un fort en toi. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlever toute amertume, tout orgueil. Et lâcheté, et l'amour dit, mes costumes, tout mon être racheté, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivre en me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage désaccorde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras, revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, d'annoncer la délivrance à tout cœur brisé et contrit. Et mon cœur
l'âme secourir et mon cœur n'a rien à craindre puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre en m'appuyant sur ton bras. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Et nous pour tout le monde qui t'a attendu l'émission et le service en direct, nous croyons béni et tout le monde qui va attendre après, nous connaît que nous va béni au nom de Jésus-Christ. Et Kounia, nous croyons que l'émission c'est la vie que lui prend fin. Pourquoi les nations diraient-elles, ou donc elle est au Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, nous faisons place avec notre bien-aimé, pasteur David Sirai, pour les suites nécessaires. Bon Dieu bénisse, pasteur David. Bon Dieu bénisse, moi. Que le Seigneur bénisse nous toutes. Moi bénis à travers la chair. La sœur Nadia, que nom bon Dieu bénit, la sœur Mimo Joseph, une sœur qui bénit, qui remet le Seigneur, nous bénit à travers la sœur Camille et toute bien-aimée qui a écouté émission Sayo, surtout tous les mercredis qui fête spécialement pour nous bénir, nous ensemble et la prière c'est une force. Et tout ça qui est inclus à travers la parole de Dieu, c'est une force et une puissance. Et d'abord, continuer à mettre toute confiance en nous dans le Seigneur. Nous apprenons un texte pour nous capables de parler de parole, ça qui est aussi puissant dans 15, dans 5, 10 minutes. Espérant que. On va bénir à travers parole, ça, qui c'est parole de Dieu. Et après quoi, nous va faire prière d'intercession pour nous prier pour frère nous, yo, plus précisément là, yo, prière pour notre bien-aimé sœur Vilna. Donc, le Seigneur qui crée lui, qui connaît la vie lui, combien de cheveux qui dans tête lui, combien parties qui dans corps lui, donc bagay qui au-dessus de nous. Mais pour Dieu, c'est clair, c'est réellement nu. Pour Dieu, tout est nu. Pour Dieu. Et nous sur, à part la foi, c'est nous, la prière, nous vous fait intervention côté Dieu. Et Dieu est capable de faire intervention là côté lié. Nous vous prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset. À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. À la gloire de Dieu. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amène liés à Jérusalem. Le verset 3.
comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de résister contre mes provocations. Une version qui dit les aiguillons. Mais c'est contre mes provocations. Parole de Dieu. Guillaume en dans verset 1, verset Sayo, qui n'a pas saisi rapide parce que nous parlons de la prière. C'est mon Seigneur. Parce que parfois, l'important pour connaître qui s'allie, l'orwell dans la Bible, pour le capable de devenir une force dans la vie. C'est raison qui fait que, notamment, au besoin d'enseignement. L'orwe parole là, ou connaît li. L'orfine connaît li fait plus effet. Li devenu yo puissance dans la vie. Alors que Saul, qui peut courir l'épaule, yon d'un pharisien, qui fait partie du Sanhédrin en Israël. Yon grand éloquent, homme de renom, comme on t'a dit dans le pays aux États-Unis, il y a un sénateur ou bien il y a un grand homme qui est réputé de nom, c'est ça, solteillé, homme de savoir, qui profondait dans la science. La science humaine. Homme de nom, côté Israël, t'en ai parlé de lui et connaît. Alors, Saul, pas n'importe qui, dans la société. Mais Paul, avant Saul, li pat koné s'il te yo prédestiné. Li pat koné si le Seigneur t'a gagné pour besoin pour le devenir yo instrument pour le Seigneur pour le capable porter yo grand nom à travers le monde. Et jusqu'ici, parole Paul, continuez à faire le tour du monde, tellement parole yo, puissante parole yo, et
des vies là-dedans, parce que Paul vraiment yo instrument. Alors que monde qui était autour de Paul était roissé, c'est un meurtrier, c'est un assassin, c'est un persécuteur. Paul te gagne toute qualification de très très mal. Mais Paul pas te connaît. C'est la raison pour laquelle l'édition Hébreux 13:8 publiée. C'est Dieu, le seul vrai Dieu, qui trace chemin pour l'homme. Et tout ça qui de l'homme vient de Dieu. Dieu connaît quel moment, dans quelle époque, la besoin pour parler pour lui. Ça veut dire, en gros, l'homme son mystère, tout autant pour qu'on dévoile par Dieu. Et bien, mystère là, Saul pas devenu Paul, qui c'est un porte-parole pour Dieu, mais bien avant, tout le monde te constaté, c'est un meurtrier, un persécuteur, mais un homme très éloquent, un homme de renom, mais en même temps, il considéré Paul comme un méchant. Et même Paul, ça, même Saul, ça pral devenu Paul, qui pral vini, yon chrétien, ça veut dire, quelqu'un qui gagne Christ dans la ville. Ça veut dire l'homme son mystère. L'heure a prêché, l'heure a baille mon Dieu gloire, bal gloire, ou pas connaît, qui sa parole là, a gagne pour le fait. Dans la vie des bien-aimés qui, en dehors de Christ, en dehors de pâturage là, en dehors de bergerie, ça veut dire prêcher avec amour, chanter avec amour, faire tout ce qu'on fait pour le Seigneur avec amour, sans réserve. Et tant que vous choisissez, qu'on y a ou même ou vide dévoilé clairement, qui était un mystère pour plusieurs mondes, qu'on a envie de constater ou ses serviteurs de Dieu ou bien servantes de Dieu. Mais mon qu'aimé, c'est Seigneur. Saul, des missions pour rentrer dans Damas. Pour al persécuter bien-aimé. En d'autres termes, l'heure où c'est bien-aimé ou sont bénis de Dieu. Moun qui sans révélation capable de considérer pour n'importe qui. Mais pas oublier. Moun qui nan bon Dieu, moun bon Dieu révélé yo, présence li, ou son paquet affaire, et ou son moun spécial. Vie ou pas dépend de où, il dépend de Dieu. Ça veut dire Dieu autour de vous. Li konnen moman yo, li konnen dat yo. Li pa kite nenpòt bagay rive yo sans permission. Tout sa rive yo bien-aimé, li rive selon la permission de Dieu. Mais Saul
de Tarse, rentrer à Damas pour la persécuter, moun Christ yo. L'on dit que c'est moun Christ, ça veut dire l'esprit Christ enveloppé, c'est ça, ça signifie. Gon l'esprit qui enveloppé, qui entouré, quand on voyé l'esprit à là. Donc, Saul de Tarse pour qu'on ait révélation ça, il prend chemin pour le rentrer Damas. Et pour faire le coup, parce que mon message a commencé à gouverner là, mais pratiquement, je fini pour être capable de rentrer dans la prière. Au cours de la route, Saul recevoit yo révélation. Et Saul fait face à yo lumière au cours de la route. Et Saul tande yo voix. Et voix n'est autre que lumière là. Qui parlait. Yon lumière parlait. C'est pas aux lumières à pied gros l'autre voix. La lumière parlait à Saul de Tarse. Qui ça le dit? Il entendit une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Mais bien aimé que Saul ne tasse pas ton affaire à lumière. Saul de Tarse pas de gayer rencontre à autre chose que étant que méchant l'a rentré à Damas pour la persécuter moun Christ. L'autre où c'est moun Christ, ça veut dire où son moun qui caché en Dieu ou protégé. Et puis au cours de la route, Saul frappé par une lumière. Et lumière l'a parlé. Saul de Tarse répond de lumière là. L'idylle. Qui es-tu? C'est la première question. Et Saul de Tarse continuait pour le dire, non seulement dit qui es-tu, mais il dit Seigneur. Yo méchant révélé le nom de Dieu. Alors, le mot Seigneur il y a un mot grec pour le mot Seigneur qui c'est kurios. En français, on dit Seigneur, mais en grec, il y aurait le kurios. Qui traduit en hébreu YHWH. Premier nom. Que Dieu t'a révélé à Moïse, en hébreu c'est YHWH, que Moïse t'a connu mon Dieu sur le nom de Je suis. En d'autres termes, Seigneur, signifie le grand je suis
te révélé Moïse, l'elle te gagné pour t'aller sauver le peuple en Égypte. Que Aurélie en hébreu, YHWH là, qui c'est le grand je suis de l'Ancien Testament. C'est même lumière ça qui t'est rencontré avec Moïse. Qui te paraît bizarre pour Moïse. Moïse gardait l'Iroué Yoti. Touf, Zeb prend du feu, gros dit feu que l'humé éclairé, du feu à parler. Du feu à parler, du feu à parler, lui dit Moïse, côté où a mettre pied là, son lieu qui saint. C'est même YHWH, ça, qui c'est le grand je suis. Qui était avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Qui était fondre la mer en deux et permettre le peuple d'Israël passer à pied sec. Et c'est le même je suis ça, YHWH ça, que la Bible révélait sur le nom je suis, qui t'est révélé avec prophète, yo, c'est lui-même qui t'est rencontré avec Saul de Tarse. Mais ça qui est intéressant, moi besoin ou comprendre que c'est Jésus-Christ ça qui t'est vide sous la terre et puis personne ne peut pas connaître qui est lié. Et pour terminer, parce que chaque inspiration a monté, ça veut dire pas conclu. C'est même Jésus ça, pas le monde pas connaître. Si Dieu n'a pas révélé ou pour connaître qui est lié, et Jésus-Christ dit, Juif yo ça dans Jean 8, 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Majorité dans nous prend Jésus comme gagné qui prend comme deuxième personne. Ça veut dire pas qu'on est. Des religions disent c'est deuxième personne de la Trinité, yo pas qu'on est. Mais édition Hébreux 13:8 continuer et persister pour dire c'est YHWH qui t'est répété en hébreu, qui vient jouer nous en français, qui t'est révélé avec Moïse comme le grand je suis. Et plusieurs attestations montraient c'est lui. Et bien, c'est lui qui t'est rencontré avec Saul de Tarse, qui peut transformer Saul de Tarse en Paul. Non seulement Saul de Tarse transformé en Paul comme porte-parole de l'humanité, et deuxièmement, chagrin moun qui connaît qui est Seigneur aïe, yo son gré de Jésus sous la terre.
Ça veut dire, chagrin de Jésus, ça y est, c'est monde qui blindé, c'est monde qui protégé. Mais on connaît qui l'a ou blindé, qui l'a protégé. C'est leur cité Seigneur. Ou cité, ou connaît, ou comprendre. Mais si ou cité, ou pas comprendre, ou pas croire, ou bien ou fait exprès pour pas prouver c'était le grand je suis ça qui était rencontré avec Moïse et qui fait plusieurs grands exploits, des grands miracles à travers le peuple d'Israël. C'est lui-même qui était venu sous la terre là. Et bien il dit chez moi 38 a dit ou pas connel et sous pas connel. Ça veut dire péché pour qu'on repente, péché pour qu'on efface. Sous pas connel ou toujours à vivre dans péché et voilà, l'on pas connel bon Dieu à vivre dans péché, ça veut dire les difficile. Pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir grâce qu'elle portait pour nous. Chers amis, chers téléspectateurs, amis auditeurs, Seigneur que Paul, Saul de Tarse, te dit, qui es-tu, Seigneur? C'était bon Dieu ça, qui t'a fait de grands exploits avec le peuple d'Israël. C'est bon Dieu ça, qui créait le monde. C'est lisse. Paul t'est parlé avec elle. T'es rencontré. Sur le chemin de Damas. C'est lui-même. Je dis à Sokonel, saisis-le. Embrassez-le. Et laissez-le marcher à coup. Et nous serons certains que vous pape confus. Et vous pape seul. Pour toute reste vivre et pour toute l'éternité. Que le Dieu de grâce est capable de bénir ou, d'être en pile, bon tout prier pour nous capables de terminer. Et puis, pensez que demain, si Dieu veut, c'est ma Thanksgiving. Donc, il y a un pile de zombies qui pral rentrer en activité. Ou. Si pas de monde en ligne, pas de problème avec ça. Et d'arranger nous après, moi-même avec ce Carole et notre bien-aimé sœur Bernadette, pour nous connaître exactement et de quoi il en est. Prions les seigneurs. Pas oublier, prier pour le pays d'Haïti. Au compte Seigneur, Paul te répète. Et après, elle fait expérience avec elle, ou même vous connaître. L'eau a prié. Gardez par la foi et quoi, mais l'eau pat là. C'est lui qui te fend la mer. C'est lui qui fait des miracles extraordinaires pour le peuple d'Israël. Il est le même Dieu d'hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Babé, je connais qui moune. Sous malade, fais confiance. Si ou troublé, fais confiance. Sous senti espérance ou presque fini, retournez à l'éternel ça avec Seigneur ça. Fais confiance. Et me garantis ou. Autant marqué, la rebooste ou davantage. Priez pour le pays d'Haïti. Il est vrai, le monde troublé. Nation, il y a des problèmes. Mais pas oublier. Étant que serviteur de Dieu, et servante de Dieu, au besoin demander le Seigneur, il y a un moment de paix. C'est pas paix intérieure. Parce que paix intérieure, c'est Seigneur ça que t'as parlé de l'IA.
qui baye li. Mais paix ça, c'est le peuple a oboué qu'a joué yo plat chaud oboué. Trop moun a souffri dans pays d'Haïti. Peut-être pour un café expérience là, mais trop moun a souffri. Peut-être aux États-Unis. Mais vous tendez nouvelles yo, nous connaît comme bagay yo ye. Sou prier le Seigneur avec la foi. Un de ces jours, nous pas contre qui l'heure. Nous pas contre qui ça le Seigneur fait. Nous pas mal l'ordre. Mais n'a dit le Seigneur pays d'Haïti est en grosse souffrance. Priez pour pays nous. Et nous va prier pour la sœur Vilda. La côté lié l'hôpital là. Seigneur ça, sœur Vilda connaît. C'est pas expérimenté le bras, c'est pas connu le bras connu. Paul t'a fait expérience, il t'a rencontré avec lui pour qu'on connaisse. Mais Vilda, la mère de Conquête, il connaît. Mais s'il connaît, nous connaît, on levez voix nous, priez pour lui, et ainsi que pour tous les malades qui l'hôpital là. Parce que des fois, Dieu permettra l'hôpital, c'est pour des serviteurs et servantes de Dieu, commencer à claironner, terre et faire des interventions devant Dieu, et puis pour libérer l'autre malade. Attention. Donc, il y a des expériences qui sont besoin de connaître. Il y a des fois, il faut aller à l'hôpital. C'est parce que Dieu était besoin à l'hôpital. Mais il veut aller pour mouvement, pour royaume, ciel, l'amour. Et puis pour l'autre monde, capable de délivrer. À nous la prière. Père éternel, notre Dieu, notre roi, le grand Dieu de l'humanité, Seigneur, nous remets, parce qu'on remets nous avant, nous adorons, nous glorifions pour son yéya, ou pas qu'à changer, ou son Dieu immuable, d'éternité en éternité, oh Dieu, ou rete bon Dieu, son yéya. Dieu Israël là, il n'est pas changé. Père, dans le nom de Jésus, nous prions où nous mettons cœur nous ensemble pour nous capables d'intercéder pour frères nous. Spécialement pour le pays d'Haïti qui est en crise. Et nous demandons pour nous continuer à frapper, comment continuer avec patience. Fais des interventions pour yo, Seigneur. Fais des interventions pour le gouvernement. Fais des interventions pour le peuple, ça, qui est dans la souffrance, qui est dans le grand goût. Et Seigneur, t'en prie. Mettez stabilité au moins que le peuple est capable de vaquer d'activité. Seigneur, nous tendez un pile monde déjà allé, mourir. Yon dera les âmes sous l'autre. Mais Seigneur, nous sûr que vous avez gardé et nous sûr que ces permissions, rien pas capable de arriver sans que vous-même vous pas permettre ça. Eh bien, Seigneur, son moyen pour nous dire gloire à vous-même, nous range à vous-même, que nous capable de continuer à bénir. Dans mon temps, prie Seigneur, continuez à faire grâce. Faire grâce à travers toutes les nations. Fais grâce avec toujours avec le peuple d'Israël. Mais nous levons nous devant le Seigneur qui t'est uni que nous, dans la prière, dans des cantiques, dans des expériences, exhortations de ta parole. Aidez-nous à grandir toujours dans la parole. Grandis foi nous. Levez Seigneur la sœur Vilna au Dieu, la côté liée, qui connaît ou déjà, qui croit ou déjà. Qui ont déjà mis saut sous la vie et qui ont fait des expériences avec vous, Seigneur. Si c'est volonté au Dieu, rétablis-le et fais grâce à lui. Et si c'est volonté au Seigneur, pendant dans le lieu l'hôpital là, puisque Christ dans lui et pendant à rentrer, en pile l'autre va libérer. Et puis l'autre va guérir pour la gloire de ton nom.
Seigneur, permettre émission et brûler résultat capable de grandir. De jour en jour, mettez en vie l'amour parole pour ne pas publier. Seigneur, nous levez nous dans mes mains, nous connaissons nous, qui t'es là chanter, Sœur Nadia, Sœur Mimo, Sœur Camille, Sœur Mathurin, et toute l'autre qui a coûté, ben nous bénédiction et permettons va continuer béni de jour en jour et pour la plus grande gloire de ton nom. Père, nous prions, ô Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur capable de bénir nous toutes et à la prochaine. Amen. Bon Dieu, bénis nous, frère Camille. Bonne nuit.